Bonsoir, c'est TheFlorian58 et je vais vous montrer comment faire un sniper et un bazooka et vous montrer quelques imbriquins des plus. Il n'y a pas de mots. Bon, commençons par le bazooka qui est extrêmement, mais extrêmement très simple. Vous prenez ça, ça et ça. Vous voyez ? C'est tout. Tout ce qu'il faut faire. Après, vous diversifiez, regardez. Taille. Bon, ici il n'est pas du bon côté. Et qu'il soit de l'autre. Et bon, rien y faire. Et vous allez dire, c'est plus logique comme ça. Oui, mais. Moi je suis habitué aux trois types. Bon, passons. Vous savez comment faire un bazooka extrêmement simple. Mais maintenant, le sniper. Le sniper, vous avez besoin de ça. Ça. Les deux comme ça, vous pouvez en prendre de même couleur, c'est. Je pense que c'est mieux. De ça. Et de ça. Tout d'abord, vous introduisez là-dedans. Mettez le noir là. Le gris juste à côté. Enfin, si vous avez du noir, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Donc, vous avez la lunette, là. Bon, après, ça rentre pas directement, donc j'ai trouvé le bon équilibre, là, et voilà. Un sniper bipède. Après, vous pouvez rajouter un petit silencieux ici, mais parce que je préfère. Donc, là, vous pouvez mettre votre cas comme ça, attendez, face devant vous, là, sniper comme ça, tenir comme ça, mais ça fait pas très réaliste. Bon, maintenant, passons aux imbriquins. Donc, celle-là. Une espèce de mitraillette avec un silencieux. Tiens dans une main facilement. À la James Bond. Maintenant, ça. C'est une belle mitraillette avec soit vous inventez lumière ou lance-patate. Lance-patate et également lance-grenade. Oui, j'avais rajouté ça aussi sur mon clone, mais ça vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous savez très bien. Donc, très pratique aussi, très bien réalisé, hein, comme toutes les autres. Alors ça c'est un truc de mono, donc vous pouvez en mettre deux de chaque côté. Là, vous prenez, vous mettez, tiens, il détache. Et voilà. Mon arme préférée. Si vous avez regardé la pub de Crysis 2, c'est la même. Exactement la même, ma préférée. J'ai acheté le pack. Si vous allez sur le site Brickhounds, achetez le pack Modern Combat V2. C'est là où j'ai trouvé presque tout. Il vous donne tout presque en double. Ben, il vous donne tout en double. La petite mitraillette de secours. Grand chargeur. Une autre arme de Crysis 2. Je sais pas pourquoi je vais en montrer celle-là. Et enfin, un sniper. Je vous conseille d'aller regarder l'autre vidéo sur les ports d'armes. Pour voir le sniper. Bah tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer. Voilà. Et ils vendent aussi des petits accessoires comme bipède, monopède, donc voilà le sniper que je parlais, avec port d'armes. Vous pouvez le faire à presque toutes les armes, à part quelques exceptions comme celle-là, qui glisse, c'est trop fin. Et sinon ça marche, mais je vous conseille pas du tout. Ça, ben,
vraiment que j'essaye. Après, ça marquait sur les précarnes. Ça marche sûr. Ça marche pas du tout. Si, quand même. Si vous mettez comme ça, mais. Ou peut-être là. À vous de voir. Et celle-là, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Si, peut-être là, mais. Après, faut remonter un truc chiant, sûrement. Bon, je vous ai appris des choses aujourd'hui. Je vous ai appris comment faire un bazooka simple et un sniper. C'est moderne. Et je vous montrerai une des meilleures armes de Brick Arms. Je vous conseille vraiment d'aller sur ce site. C'est vraiment super simple à y aller. Vous avez de belles armes. Vous pouvez même acheter des figurines. Donc, c'est super simple. Bon, la prochaine fois. Ben, qu'est-ce que je veux faire la prochaine fois? Telle est la question. Bon, ben, je vous dis à plus dans le prochain épisode.